Bienvenue dans cette présentation de brosse de rasage. Aujourd'hui, marque portugaise Smog avec le modèle Pharos C3. Donc, voici. Savon Weatherwax. Bon, celui-là, le cherchez plus, hein. Il n'existe plus. Je crois qu'il avait été fabriqué en 2013 ou 2014. Voilà. Chargement. Donc, pour info, la marque Somog a été créée en 1955. Et dernièrement, il y a eu des nouveautés au catalogue, dont celui-ci, le Pharos. Je me suis juste renseigné vite fait. Google Trad, Pharos portugais, qui est traduit par phare. Bon, est-ce que c'est vraiment ça la signification? Bonne question. Donc, pour info, hein, la brosse, j'ai laissé tremper. On va dire 5 bonnes minutes dans l'eau chaude. De toute façon, ça va de soi, je fais toujours tremper les brosses, les blaireaux. Donc alors ici, nous avons affaire à du crin de cheval noir. Donc pour les tailles techniques, la touffe fait 21 cm de diamètre. Et la sortie, la hauteur là, 5 cm. Donc ce qui fait une touffe quand même petite. Et le manche aussi. Le manche il a un petit diamètre. Donc en parlant du manche, on va rester là-dessus. C'est du bois de hêtre. Qui existe en trois teintes, donc celui-ci qui est appelé vert océan, en noir ou en jaune. Mettre un petit peu d'eau. Donc voilà, j'avais annoncé 2022 des produits portugais. Donc je commence par là avec cette brosse Somog. Et je vais aussi vous avertir, de toute façon je vous mettrai des liens. Parce que celui-ci je l'ai acheté chez Viano à l'heure actuelle. Donc chez Viano c'était l'an dernier. À l'heure actuelle en France c'est disponible que chez Amazon via Gift & Care. Gift & Care c'est un site espagnol. Donc on peut acheter chez Amazon mais on peut aussi prendre chez Gift & Care. Vous mettrez des liens. Et là où je vous avertis, c'est qu'en fait, il faut faire très attention à la nomination de l'article. Parce qu'on peut confondre, il existe le même modèle comme ça, en poil synthétique noir. Et en fait, c'est marqué, pour les deux, c'est marqué Black Horse, cheval noir. Sauf qu'il y en a un qui va être distingué par Badger. Et l'autre, il va être distingué par synthétique. Donc, je vous mets en garde. Faites attention à ça. De toute façon, je vais vous expliquer quelque chose. Sur les photos, on distingue bien le poil. Un poil naturel, c'est un poil lisse. Et un poil synthétique, comme on peut voir sur les photos, ça fait un petit peu le poil ondulé. Il n'est pas droit, il n'est pas lisse. Ça fait des mini vagues ondulées quoi. Donc voilà, juste pour vous mettre en garde par rapport à ça. Et tant que j'y pense au cul, au cul. Aussi, parce que j'allais dire la suite, au cul du manche, c'est gravé Somog. Voilà. Donc sinon, la tenue du poil commençait. En fait, ça fait une petite exfoliation. Mettre une dernière fois de l'eau. Ça picote légèrement. C'est un petit côté exfoliant. Quand on fait comme ça, en fait. Moi, là, j'ai une barbe de 24 heures. Et de temps en temps, là, ça ne me déplairait pas. Tous les jours, non.
Cela dit, ça pique quand même moins que les vilons. Mais voilà, faut quand même le souligner, ce n'est pas spécialement un poil doux. La douceur, elle y sera quand on fait ce geste-là. Le petit pinceautage. Voilà. Quand on fait des tournicotis, tournicotas, comme ça, là, il y a le côté exfoliant. Donc je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ça. Donc sûrement ça pourra plaire. Puis voilà. Je pense avoir fait le tour. Bon, quand même, le diamètre du manche, il est aussi petit. Donc celui qui a une grosse paluche, ça dépend des goûts, quoi. Et puis voilà. Ouais, je réfléchis, mais 7 minutes. Je pense vous avoir tout dit. Tout l'essentiel est là. Trois coloris, deux types de touffes. Cela dit, le synthétique, je peux pas dire. Je le connais pas. Si vous voulez, je vous mettrai quand même des liens. Ça peut vous aider. Si, j'ai oublié de vous dire, j'y pense bien sûr après le blaireautage. J'ai pas trouvé de site officiel de Semoga. Donc il y a des trucs, mais j'ai pas tout compris. Donc vous avez compris là, j'ai parlé de C3. Il y a aussi C5. Ça, c'est toute la nouvelle collection. Il y a eu différents manches, tout ça. Donc si j'ai bien compris. C3, ça serait l'étoffe entre 21 et 22 mm de diamètre et C5, 24 mm de diamètre. Voilà. S'il y en a qui en savent plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci. Fait que c'est ça. On va se quitter là-dessus. Et bien, j'espère que la revue, elle vous aura plu. Merci de zonage et bon rasage. Ciao.